ndote bakongomani bwalaka tellement ebele pona kolanda manaka oyo bakongomani balela baloba ete Fadil Bouna ezali mwana kolomboka ezali défenseur du peuple le plus démuni kende ezwa ngwende olobela mboka na ndenge elongobani toyebi ete batata ya nzambala deja batengami bakokende kala mingi te me loba mpona mboka yango ndeti mikoko tikala mpo yango ndeza poche du peuple congolais mote bayeke bwa tellement kotie bandeko nanga limité simpose RDC lutte contre le tribalisme bwa tellement ebele namoni bino alamu na bino bana poche ya diaspora congolaise tobaa mingi mingi tobosabele mpona kosoutenir loba mpona mboka Y a-t-il un accord où les amis copient ça, bah immunité, copient ça, bah immunité devant la justice ou pas? Ce que les amis c'est que, bah qui espérait que Kanyan a mouru ça ou qu'il est une injustice ou pas? Vous voyez que nos Kabouya, il est pas accusé de la corruption par rapport à l'élection ou pas pour nous. Où les amis bah gouverneur, bah bas sénateur, bah comme moi, moi il est venu dans la mouroté, ah toujours ça débat. Il y a des débats politiques. Oui, vous appelez le nom. Il est peut-être ce qui est dit. Il y a un peu de matin. 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 Il y a merci pour l'organisation. Je l'ai toujours dit, je suis tshisekédiste. Un tshisekédiste, ça c'est un état d'esprit. Ça veut dire, par rapport à Otoye, le poto de la Moka, la Bessiba, on va voir la Bisso, la Moukoulo, la Bélo, mercredi, à Batamouïke, les lobos, il y a un malheur à voilà, le loto de l'amour a comme d'habitude. Alors, dans le manque de choses, le loto de l'amour a de moi aussi, n'a pas besoin de dire au cadre. Azali peut-être Maralibosso, mais Marasukati. Il s'appelle chef de travaux, bon, c'est chef de travaux, dans la Tinaïa scientifique. Mais il y a bien aussi, vous avez la personne de l'autre, c'était José Mbo et José Mloma, l'autre était le yé imalamo, n'a manaka politique, n'a dit que le loto de l'amour. Ok, merci l'ambassadeur, avec les voyants mais avant la bandale solo, dans un coup de l'ambassade, avec le président Eli Martin, pour le Mali, ici, Kaza, à son vraiment top, à sa calme. La bonne chose qui fait le secrétaire général de l'ambassade, il faut qu'il est un professeur, il faut qu'il est un bon, c'est Bandiwana, il y a une idée, mais vous voyez qu'il n'y a pas nous. Voilà, c'est que Maramboali, l'un de nos natales est là. Mais la nuit, nous ne rejoignons pas Martin Matsunikonaye, à expliquer que nous avons un peu de mal, nous avons un peu de partout. Moi, je suis un peu de Azali, je suis un casquette, je suis un homme de plusieurs casquettes. Mais, je suis un peu de mal, je suis un casquette, je suis un peu de mal. Qui est-ce que nous avons à faire sur ce plateau? Ne marche pas, il faut se lever, il faut parler. Bon, c'est ça aussi la démocratie, hein? C'est ça aussi l'état de droit. Alors,
on dit que nous avons matoya donc nous avons une raie tout ça tient que quand on a macassé mais awa pour macassé pour n'importe quoi nous on a tant de choses tout le monde après élection et venez de salir mon assemblée nationale élection primaire il y a Obama il y a président de l'assemblée nationale et pas dans le gouvernement sur le gouvernement mais dans le gouvernement intervenant. Mais après, avant d'abord l'élection pour demander que ça ne marche, que l'autre rébellion est créée pour nous. Il y a sacré dans le moko, il y a plus de 107 députés nationaux, au Batelloni, Balobio, le gouvernement maintenant a dit que c'est impératif, alors que le Lunichiki, le moko, il y a un candidat indépendant pour remplacer le moko. Quel est l'avenir? Il y a une union sacrée de la nation. Et à venir vraiment, il y a une institution à l'Assemblée nationale. Moi, je suis un peu comme 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 je suis un peu d'une manière politique et d'une manière administrative. Mais de l'autre côté, je suis un peu comme 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 ça. Est-ce que Willy Michika a la vraie valeur pour le Congo? J'ai dit non. Parmi ma vantirie, la monde moko politique par moyen, c'est-à-dire par mon monde politique, les abouli, les abouli, par le monde politique, par le monde politique. Je ne peux pas dire que Mouchik, c'est un aventurier politique. Hein? C'est un aventurier politique parce que l'union sacrée de la nation, les abouli, la présidium Nango. Présidium Nango, nous avons 6 présidents. Et autorité morale, il y a l'Union sacrée, c'est le président de la République, Fatih Benton. Je présume que tout en a Bahati Lukwebe, tout en a Vidal Kamere, et tout en a Mbosso Koudiakwama, et tout en a secrétaire général au Bénin Kambaga politique à Congo. Pour nous ça, parce que là, je l'ai toujours dit, à chaque fois que nous avons dialogue de thé. Et tout ça, la Vidal Kamere, et tout ça, n'a mis mon abisso Jean-Pierre Mbemba. Par rapport à ça, na katia, il n'y a sacré, tout ça, la présidium. La présidium, on a tout ça, là-bas, article, où est-ce 66 articles, où est-ce articulé par rapport, il y a 9 chapitres. Pour ne pas lire ça, et dans la mouvement, on trouve le rapport, tout ça, la télé, pour trouver le rapport, mais tout le monde va te faire apprendre dans la bande. On a dit ce que l'on comme je l'ai toujours dit, c'est pas que nous, les autres qui n'ont été, nous sommes plus intelligents que la bande de l'Olande. Donc on a dit, ce n'est pas à moi de vous dire ici à la télé vraiment que Willy Michiki ou bien Vital Kamere a qu'une élection primaire et pour représenter la population congolaise. Et à, par rapport à ça, va représenter Vital Kamere par rapport à la voix ou va salir pendant l'élection primaire. Moi je suis qui? Alors, c'est un représentant Wana. Moi, je suis un représentant Wana. Un représentant Wana. Au niveau de la vote, il y a Vital Kamere. Au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que aujourd'hui, nous sommes majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que même nous, nous avons vraiment un lobby. Il y a un Vital Kamere comme voter dans noté. Un lobby. Président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, félicitations. À moi de dire quoi à la télé? C'était l'avenir de l'Union sacrée. Avenir à l'Union. Que Willy Michik, c'est une antivaleur. Ouais. Alors, les 117 députés, on a. On peut pas antivaleur. En tout cas, pour moi, je peux dire vraiment que Willy Michik a sa valeur pour le Congo. Willy Michik a prédit que Pena Liwa et Etienne Tisere de Wamulumba. Mais Etienne Tisere de Wamulumba, le Zongate. Parmi Badialoli, c'est mon frère. Moi, je ne peux pas venir ici pour parler pour Willy Michik, mais je suis venu parler de la politique. Voilà. Mais, les gens qui ont dit que la caméra de Fadin Bona, ils vraiment dans le moment où Vital Kamere a élu. Mais Vital Kamere a élu dans l'élection primaire. Même si on a dit papa a dit que c'était. Aïe bien ou bien, élection primaire et l'axe boni.
va voter Kouna. Va voter Kouna vraiment le rôle vraiment de représenter l'Assemblée nationale. Va peine droit et à contester. Va voter ba droit question de valeur. Ba on va voter wana sur bazaba nani. Bazaba rwandais. Bon voilà. Donc on attend, merci à Tezoni et pas de proposer vraiment. Nous sommes ma rébellion ou de romper bon rébellion ou se créer contre ou une sacrée décision. Plateforme, il y a chef de l'État ou a tiré en place pour couper ça vraiment, couper sa valeur, tout pour la couper qui ça. Donc, la gestion est sacrée. Notre monde, après l'élection primaire, tout le monde est de l'Ouanam. Est-ce que l'avenir est un sacré? Il y a institution dans la chambre de base, il y a problème. Ils avaient m'assuré avec ce qui se passe. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je suis en train de faire une interpellation. Je suis en train de faire une à l'Assemblée nationale, vous allez partout au Sénat, il n'y a que la théâtralisation de la vie politique en RDC. Pourquoi ça? Vous et moi, et mon co-débatteur, nous étions là pendant le confinement, tous devant les écrans, pour voir le crime politique. Les crimes que je vais peut-être appeler financiers. Ok. Neko Vital Kamerhe a été accusé pour des crimes dans ce pays. Vous le savez. Et aujourd'hui, il se transforme, il devient saint pour qu'il ait la confiance de l'Union sacrée. Et pourquoi nous avons chassé Kabila? Si nous avons chassé Kabila hier et aujourd'hui, le même bêtise revient, alors pas la peine. Tout ça, nous sommes en train de sacrifier le peuple. Moi, je n'ai jamais aimé les gens qui appellent le peuple petit peuple. Okay. C'est le peuple. Le peuple qui se sacrifie matin, midi, soir. Ne bénéficie de rien dans le théâtre où il y a un salaire dans la carte de l'institution. Positionnement, il y a un gros mot. Est-ce qu'ils tiennent compte que le peuple a souffert? Il y a un besoin primaire de la Poubelle partout na Kinshasa. Baso benga na batu na ba alter ya minene mais politique ba tiana na place po ba pe sa vie na batu wana ezawapi. Vous ne voyez pas que on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Ah bon? C'est que de Kabila est parti. Et le coup appelle ça. Appelle ça. Donc Saint-Pierre n'est de Kabila, Saint-Paul n'est de Tshisekedi. Absolument. Donc c'est grave. Donc ce qui se passe au Parlement, n'a rien sur Maloba. Jusqu'aujourd'hui, mais la Oyo Azouzela, la
l'Assemblée nationale, il y a théâtre entre l'Union sacrée. C'est ce que nous appelons la théâtre. La théâtre. D'accord. Allez-y. Dans notre pays ici. Fayulu azara nena mona Moïse Katumbi. OK. Baza, ça dit baza ba feriste. Nena mona Moïse Katumbi. Papa, na zo ba na lombango, na lo ba na lombango mais il faut na lo ba pe bien. Non, premier point d'abord les assemblées nationales. Point de matin Fayulu Zoya. S'il vous plaît. Tous le premier point rapidement. Premier point vidé pour nous donner un point. Tonton Bonam. On a précédé la déjà. Voilà. Premier point, il y a l'Assemblée nationale en débat. Willy Michik. Des points en débat. Il faut que vous répondiez. En tout cas, nous avons un parti politique à Vital Kamerhe. Ok. Mais Vital Kamerhe est au loup par rapport à la plateforme politique et électorale. Mais je vous dis, mais c'est quelqu'un qui a fait la science politique administrative. Il doit maîtriser certaines de choses. Au Bénin, en tant qu'enseignant, il faut encadrer. C'est-à-dire, on a encadré, parce qu'il faut attendre. Mais il faut que l'on soit en comprendre. Il y a un homme qui a fait le théâtre en TV. Il y a un homme qui a fait le Lelo ayebi élection mais ça veut dire lelo parce que peut-être on a un mutu pena ça c'est attendre ça va bloquer va valeur té ala attendre ça va venti valeur ah bon nazo va bien tonton bona na olo ba chité alors chité alors na poe na chité na olo ba nene nini na lombango tango élection primaire et salami élection primaire et salami na taka ba mta salango pe wilingo mta salango ou bien ngoma c'est un bomba. Il n'y a pas de mongo. Il n'y a pas de mongo. Il y a un représentant de la population. Le même cadre, il y a un mongo. Non, je ne dirais pas vraiment le même cadre. Parce que quand tu es un député, au moins la casquette politique, vous représentez la population. Mais dans une famille quelconque politique. Et sa famille politique, moi je le dirais oui. Mais. Tant on le va peiner comme que famille politique il y a union sacrée mais union sacrée bah toi n'a pas besoin de représenter même hier bah tu m'as dit à voter qui bango bah ça on a une union sacrée non à voter mon tari des pèses na yebi oui il est de qui n'a pas élection papa bah non voter la présidente papa non non bah tu n'as bango Adolphe Ndomas alors Adolphe Ndomas il décède Il a déjà. Oh, bah, que l'année là pour pas doter du sud d'une constitution qu'il soit qu'il faut pourquoi parce que constitution oh yo selon mon rosambouk à l'obi batouna qui est moutouna à l'obi d'un mini le même personne revienne n'a pas posté de l'émo député national sénateur provincial ministre à l'obi loi n'a dit ce et péquis y a voté raison pour laquelle je veux qu'on change la constitution pour tout verrouiller certaines lois. Alors, de commenter Fayulu au tour de Baawa, à l'obiété, ils allaient manœuvrer, à mobiliser toute la classe politique que le régime Tshisekedi et que ça la manœuvre pour Baoumé la Seko na Seko na Bokonzi. Qu'est-ce que toi tu as par rapport à la modification de la constitution? De Gofadine, na Koloba na Lombango vraiment que depuis l'élection Salami na 2023, na décembre, le 20 décembre, Yebisa na matin Fayulu Zanani, asa opposant non? Quelle action? Oh Martin Fayulu a sali sur le raconte de la population pour l'intérêt général de la population. A Salinine, depuis le lot, depuis 2023, si le lot est en main, le lot le 7 mai,
Martin Fayulu a sala nini hein parce qu'il y a opposant non na otu ebiso a Martin Fayulu aza affairiste comme Moïse Katumbi aza na ba valeur moko a ko pesa bisoté Martin Fayulu a bandi politique na 1991 même wili même c'était na biso wili ngoma yebi ngote José Ngoma José Ngoma yebi ngote José Ngoma za aza wa na za na kanda pour na yepa na ona lobi ngo bongo nani c'était José Ngoma OK allez mais par rapport à ça Martin Fayulu depuis to sali élection na 2023 za opposant qu'est-ce qu'il a eu à faire depuis ba problème nous salami oye moro nani c'était na biso zoloba awa et asalini asali logoté temaza affairiste politique constitution question posing à constitution Martin Fayulu les a eu député non quelle motion Martin Fayulu a posé dans l'Assemblée nationale tango basali référendum na 2005 et na 2006 il y a za député référendum ni asalaki par rapport depuis non tayen ti to comme na 2006 il y a za député aza député national total na batando ike to bo balancer image Martin Fayulu a pèsi motion ni à l'obéni ni côté population l'intérêt ni lors il y a modification à constitution le 18 février 2006 Martin Fayulu était aussi parmi il a participé ça fait 20 minutes il est non il a participé comme en étant il a participé en étant député national. Quand on a participé en étant député national, qu'est-ce qu'il a fait pour la population congolaise? Les autres, est-ce qu'il y a un lobby théâtre? Il y a un lobby ma boke. Il y a un lobby ma boke. On a TV pour tout l'andaye. Mais il y a un lobby population. Population, on a un lobby population. Population, on a un lobby. Ça veut dire qu'on a un lobby population. Ils ont raté. Mais ceux qui sont pour la modification de la population. Ils ne sont pas pour la modification de la population. La population est contre la modification de la population. Ils ont un lobby na lumbangu. Martin Fayulu, depuis que c'est l'élection, c'est le côté. Mais la population, on va se faire un combat pour ça. On va la liste à combat population. Et puis, chef de l'État a une raison à changer la constitution. Pour la Nini, constitution à Bissou et Salaman, constitution à 2006-2005, tant qu'on va faire la constitution. La constitution a peine dans le sens. La constitution à Salaman, peine dans le délibérant. Oh, bah ça l'aime pas congolais, ah, bah qu'on s'allait en Kigali. Même les lots, Kagame, Azana, copie, il y a continué à dire ça, mon frère. Donc, le papa, Moutou, Azana qui pena, Martin Fayulu, Azapena, opposant congolaise, oh, et pena vraiment toujours représenté comme Congo, non, opposant. Mais il y a mon copena, Azana qui coule en Kigali, tant qu'on va signer par accord, na Sand City, en Afrique du Sud. D'accord. Alors, dès qu'on attend. Tu peux signer José Maloba par rapport à la question où il y a modification à la constitution. Est-ce que le régime actuel, le moment, est opportun? Il y a qu'à modifier la constitution. Tu ne peux pas modifier en haut. Na ba maye le mususu ou ndeko fayu la lobby qui est là pour la koumi la seconde à seconde à Bokonzi. Merci beaucoup. Na lingi na senga yo boli. Micro. Na yebisa au débatteur na gai. Omoni pour te compenser 25 minutes à Banda Koloba. Gana lobi ni inio, mais ceux qui gana zoom aloba, akatanga les sous-tes, ceux qui avec qui kokatanga y, gai na kati, non, gai na kati na kiti na ke, parce que apparemment il y a pas une bonne police, non, il y a yo lobi, loba ne quoi les y, alors merci beaucoup d'abord. Alingi na yebisabino ke makamonyo soyo ko debate na ngazo loba eza di blabla. Pourquoi? À mon avis, IDPS ezala ki prepare te pour gérer beaucoup. Vous savez, na en complicité na Kigali na bamboka oyo le BDPS za ki préparé té bazala ki préparé bref batunion so bazobunda ezala na assemblée nationale ezala na ba sénat ezala na gouvernorat ezala ce sont des kabilistes
Mais Mboso Azanan, Mobutiste Kabiliste. Nani ndeko kamera Azanan, Kabiliste. Kabiliste. Baati, Kabiliste. Bao nyonso wana, Kabiliste. Alors, qui est ce leader que l'IDPS a préparé Oyo Asobunda Bitumba wana? Asate. L'IDPS n'était pas préparé pour gérer ce pays. C'est pourquoi vous voyez Mboka Oyo et Zoki Takaka na C. Donc, au lieu flèche et mata, flèche et Zoki Tanase. Peuple a commis na basse ma casse. Na yo qui est à Wanabi Loba do Banaye, a zo loba intérêt général. Ndeko, intérêt général, les amis. Tout na yena nous, intérêt général et l'idée d'Axani. Intérêt général, hein, et sa valise. Oyo ezo contenir ba besoin, hein, ba besoin oyo peuple azo senga yango wana intérêt général. Valise oyo ezo contenir ba besoin ya peuple. Sikoyo na kati ya valise wana ba besoin ya peuple eza koluka mai, koluka kuha, koluka misala, koluka biloko nyonso oyo peuple ba petit besoin ya peuple eza wapi lelo. Ba besoin yoso wana ndeko tilombo akoki ko résoudre ta problème mon côté tilelo mai eza passe yoza na problème a mai yaza na problème a mai yoza na problème a courant yoza na problème depuis na yaki na chaîne awa never bozo bunda na naba groupe électrogène courant zate c'est aberrant dans ce pays. Mais nous sommes dans quel centre où on peut manquer du courant? C'est vraiment aberrant. Donc, moi, je vais courir, je vais courir. Yo na ye, na ba mususu bazan zinga zinga a. Alors, lokola, ba ba ye bikaka, lokola ba ye bikaka, ba concept, ba ye bien lokote, intérêt général la lobby ngona munoku. Mais je ne veux plus cette injustice. Je dois maintenant achever ma parole. Allez-y. Parce que yé azwaki minute o et belé. Moi je n'ai même pas fait la moitié. Il y a minute o ya sala qui pour na loba. Donc José. Mais na lingi na lo. Na makambo ya. Na mai o ya. Na lingi na lingi na senga. Esa la yé. S'il vous plaît. Esa la ba leader na yé. Un peu de respect. Un peu de respect au président Eli Martin Fayulu. Martin Fayulu o yo peuple a pesa confiance na 2018. O a vota yé. O bo konso yo bango. Bazwa na makasi. En complicité na bamboka oyo bazobunda sabango nanga pourquoi nanga pona nini nanga azana rebelle pona nini nazo tuno mutuna na tune mutuna pona nini nanga pona bako oyo bayokana na ndeko na régime na bango ndeko tilongo ba pesa bango pouvoir ya moyibi hein siko ba pesa e promesse ya ba carré minier. Eh ba komi wana lokola momesenu ndeko tilongo respecta kana e maloba na yete aloba kakaka. Ce qui a longue place à l'obi a changé. Donc, Aza Caméléon. Aujourd'hui, je le nomme Caméléon. Ah, voilà. C'est quelqu'un qui change de couleur. Donc, la modification de la constitution, tu es un. Donc, voilà un peu de respect. Deux secondes. Nous avons répondu tout petit peu. Voilà, deux secondes. Tu as transition. Ce qu'on me met dans la bateau. Qui est dialogiste? Ça veut dire la personne. Est-ce que c'est maintenant un pays de peste? La personne qui fait ça. Mais au président, on a des secondes. Conclu. Ça veut dire Aza payé par Martin Fayulu, il y a un autre Martin Fayulu. Ce qui est là qui paye, parce que mon conseil,
président de la République. En tout cas, Neronabiso, Nautanga, Willingo, Massadi, Namon, on dit à la rébellion. Ça veut dire l'objet de Romona, Martin Foyou, à qui la rébellion. En tout cas, Tigre, la maman, Congolais, ton tonton étranger, Congolais, ton tonton, 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 ton Luke la mutu wa makasi o tokoloba na ye pona makambo wa Kongo pona intelligence ndeko nata lobela makambo yo tokoloba allez c'est ça c'est na moni pense ko na komi pena na ba opposer mi balai na plateau te so na zone ba opposer mi balai na plateau ça veut dire je dois défendre pena mon parti parti de baisse mais na lobby c'est ça OK ça o le pense na des comme mais ya na zone ta sixième sous quoi non non koko ta sixième sous allez na lombango Ndoko na biso ngoma sete o atangisinga ça veut dire kutu ba plagier ba ngoba osala à niveau université bazu ba TP ba étudiant Ndoko na ta lobela na zolo pa les sujets s'il vous plaît les sujets s'il vous plaît tonton bona tonton ta monsieur na olobate sujets s'il vous plaît le bon point on a tout ba ngoso ki bazo le loko tu ba mémoire ba osala ça veut dire Jonathan non Jonathan là tu as sujet le blessé sujet autre na zolo ba non tonton bona fini les sujets ça veut dire na olobate sur la constitution s'il vous plaît Ndoko na constitution na biso si on parlait de ça Ça veut dire intérêt général mon conseil à lobby pour la constitution parce que amoni constitution est vraiment constitué bah constituant il y a constitution na biso Martin Foyou la zala qui wana parce qu'il est député national boye bisanga motion nini Martin Foyou a créé na niveau assemblée nationale pour la côté population na lobby à salangote ça veut dire les noms mon conseil mon conseil to linga to sanje conseil s'il vous plaît. Et ça pour la mokonza mboka azala wana kaka mokonza mboka te mais constitution ba to linga to mokonza mboka akolinga changer constitution pona kaka par rapport ya ba loi mususu o lelo pe to souffrir na bande ko na biso est pona ekene kaka po esunga bande ko na biso na ngai na ye esunga biso pe na kopuza la intérêt général très bien d'accord to meli mingi na sije oyo bino moko bo komba comment vous comprendre qu'il y a des tensions des vives tensions. Par rapport à cette question, je n'en vais pas répondre. Bon, vous avez des secondes, je vous donne des secondes, tout en assisant, parce que merci. Le temps. D'accord. Merci la technique. Je tout le monde qui est temps, et c'est l'équipe. Je pense que l'ambassadeur, constitution, il y a Mboka Oyo, échangé et l'eau comme côté de la gouvernance, il y a des côtés. Constitution échangée, ni n'est pas abouti sa situation sociale, il y a Mboka. Constitution ya mboka o e dérangé nini pour guerre ya guerre ezana est et sila. Constitution wane dérangé nini. Et le kongai, moi ce que j'apporte ce matin est que bako changer loi électorale. Loi électorale bako bongisa yango na kozwa par exemple élection et le wana de tout et na un tour et kende na de tout. Ba garde fou na loi électorale. Mais constitution ya mboka. Ndé komi ce peuple c'est ka komi. Non, c'est la mauvaise gouvernance ndé komi ce peuple n'a pas su akomi nango. Constitution est dérangée et le côté constitution est côté si ba rebelle. Constitution est une population n'a pas cité. Constitution est une des Komboso a bloqué ba clé ya assemblée nationalité. Constitution est une ba kondia mboka te ke bazwa batu nyonso ba kabiliste nyonso ba enfeode bango na IDPS pour ba banda ko la kisa kabiso ba
événement, ba théâtre na bango bazo sala na ba institution. Constitution ya mboka et sali nini? Constitution ya mboka wana sali nini? Bona gouvernance ya ndeko Tshilombo. Et ça, le côté, biso et le côté, c'est qui va charger loi électorale, va bongisa, moi, va kokoso oyo, et ça, la loi électorale. Constitution, en boka, et dérangé, bangote. Alors, et le côté, et ça, caché pour nasilisa, on va charger constitution, en boka, et ça, et le moko, et bombami, nasima. Nasima, na bango, et ça, et le côté, moko, bazolinga, pour ba prolonger mandat, y'a le côté, longo. Donc, qui moye, biwana? Boyeba qui à partir d'aujourd'hui et si des à la mouka qui d'ailleurs boyebi boyebi nini na bise ça la mouka tout ça déjà ya la mouka totala na misu ya mayele et si ka oyo bako meka ce qui va meki kaka peuple oyo kaka peuple oyo ya ko baloke ya la mouka s'il vous plaît de mon attente tout ancien monsieur s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, on avance. Non. Tout le monde a même eu le même minute. S'il vous plaît, c'est moi la pause de débat. N'appelle ça que minute. Je sais. On avance. Accusé de tenir des propos séditieux, le cardinal Fridolin Ambongo est visé par la justice congolaise pour des faits constitutifs d'infraction, des faux bruits. Incitation des populations à la révolte contre les institutions établies et aux attentats contre le vice humain. Voilà. La question que je vous pose, donc on attend. On va deux minutes, rapidement, parce qu'il y a qui. Y a-t-il un accord donnant aux religieux catholiques des immunités devant la justice? Tout le monde, tu dit, chef de l'État, le roi qui est en France, a l'obligé la liberté d'expression et les libertés qui font le mensonge. Si on lui mensonge, c'est le bac en aïe. Nendeko, cardinal Aloba qui était gouvernement congolais et le Jacques et Banako soutenir la force de la libération à Rwanda, FDLR. Tonto Bona, cardinal Fridolin Ambongo, était justiciable. À ce sujet ici, rapidement. Les lots, Yamomoni, Baton Martin, Fayou, le Balinier va s'accrocher parce que jusque-là, Eza a ta activité politique dès début 2023, le 20 décembre, jusqu'à aujourd'hui. Bah, voyez, Bissanga, tant que vous êtes en train opposition. Si vous êtes vraiment en train de comprendre que Eza a une défaillance, ça veut dire que vous êtes en train de faire. Ça veut dire jusqu'à aujourd'hui, Fatia travaille toujours qui toque. Nous on attend rapidement, mon tournant. Rapidement, non, allez-y. Rapidement dans ce jeu. Voilà, le temps. N'a pas donné le temps. Cardinal à Fridolin Ambongo, tant que biso tozalaki na opposition, bango bazalaki wana, bano soutenir opposition politique. Mais opposition politique ya lelo bazana stratégie mon côté. Ya ko sala pena vraiment que babima na balabala ou be basala eloko moko bo na kota population te. Bazo sala pena o babenga on DML. Bazo DML cardinal pour basala nengeni ne basala eloko moko ya malonga. On est cardinal, mais moi je dirais cardinal a conseillé. Il y a pape. Barani bazo dire mais la cardinal. Bato opposition on a ni matin foyulu. Poto ya o voyez mina na mutana ni matin foyulu. Azo bazo dire mais parce que depuis tout ces temps ici, depuis tout ces temps non le bâton. Procureur près. Depuis tout ces temps là. Procureur près de la cour d'appel de cassation a instruit au procureur près de la cour d'appel à suivre. Cardinal Fridolin Ambongo. Et puis il lobby Martin Fayou. Mais il lobby président de la République. Voilà. Et lobby président de la République. Mais j'ai dit non. Non, il y a alors qui mon apôtre. Non. Je l'ai dit tous, je l'ai toujours dit. Quand l'UDPS était dans l'opposition, l'Église catholique l'avait toujours accompagné. Et pourquoi bah, mais pas. je l'ai dit. L'avait toujours accompagné. Mais si aujourd'hui, il est fort de constater que le cardinal Ambongo est reproché par ses propos. Ça dit, sont au limite le baron, ils ont reproché par ses propos. Ça dit, cardinal Ambongo, ceux qui peinent à quoi le baba, propos, normalement, si je peux dire aujourd'hui, bah, propos n'a yé, il faut assangir ça. Bah, cardinaux, il y a Rwanda et Ouganda pour n'a qu'au soutenir population à Congo, bah, ça l'a n'a ni. Guerre à la terre, na niveau est kuna. Mais les lots sont au lieu de reposer dans ma propos. Mais cardinal Ambongo,
aza conseiller ya pape. Tant que aza conseiller ya pape, est-ce que pena okou reprocher mokonza mboka na batandoyike na koloba? Non. Reprocher mokonza mboka parce que cardinal Ambongo aza faire partie aza neve ya Jean-Pierre Mbemba. Mais je vous lis aujourd'hui pena boye bien monté. Aza neve ya Jean-Pierre Mbemba. Soit aza neve ya Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre aza nani? Aza ministre à défense. Ce qui a colobango te dit na moyen au trajet. Ma colobango pena pour à défendre na côté ba intégrité territoriale la biso. Ba poursuivre na tel non na lobby pena na kokene bongo te na koloba pena maloba na ko pretendre ngote. Ce qui pena cardinal Ambongo a kolinga a ko reprocher na gouvernement na gouvernement biso. Tellement ça conseiller à cardinal par rapport des accords. Tema yebi bien na mutu na yeke bako reproche te bako kanga yete yango azolo baba biloko wana. Mais au moins j'aimerais bien toke nevoma en sorte vraiment que ye asolola na mokonzi mboka akosolola na mokonzi mboka na tando ikete akonuka mokonzi mboka basolola na nenge ya kati akosolola pe na moyen public te. Merci beaucoup de Konatan. Merci beaucoup. Dossier ya Fridolin Cardinal Ambongo. Est-ce que est-il poursuivre? Est-il poursuivable à la justice? Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, je suis ambassadeur que l'Église ne fait pas la politique. L'Église est à la carte. Nous avons une opposition, comme le débatteur de la lobby, que nous avons une opposition. Mais l'Église est à la carte. Ni nous avons une opposition, ni nous avons une majorité. Église, finalement, mais l'église à Zalaka Nangambo ya peuple. Alors, naba na mutuna wana ya makas. Je prends des gros journalistes. Adam Kolomo côté Omona, cardinal Ambongo bien ba évêque Mususuto Banani Asali. Akende koloka poste ministériel. Alukaba nommé DG. Alukaba nommé. Donc il n'a rien à faire avec le pouvoir de Chilombo. Ndeko cardinal Ambongo. Ndeko cardinal Ambongo, aza ngambo ya peuple. Azo mona parce que ye. Azo mutu oyo. Azo transformer mutu. Spirituellement. Alors, il y a une transition. Te waneza ba rumeur oyo bino bolanda ka yele kaka na balabala. Alors cardinal Ambongo ata mukolo mokote akuluka za la président de la République. Ce qu'il est le suffit. Donc akuluka ka jamais akoma ministre, DG ou bien député national. Donc, cardinal Ambongo Azangambo ya peuple. Alors, je voulais me mettre un accent. Nous sommes en démocratie. Alors, cardinal Ambongo lissou moi ça li po a lobi makambo asomo na polele. Yango lissou moi ça, il se bano soutenir la FNL. Mais ce sont des choses que nous que nous sommes en train de vivre. Yo mona kitende ko chilombo era uti na poto. Baboy kokoti sa ba congolais. Na chambre ou na place à côté qui va se solo là. Mais qui était là dedans? Qui était là dedans? Tu as les images? Ce sont nos frères rwandais. Dis-nous la vérité. Pourquoi on continue à tromper mon peuple? Pourquoi? La journée vous dites autre chose. La nuit vous faites autre. Pourquoi on continue à tromper mon peuple? Avec des discours démagogiques. Mon thème en anglais est aussi calme. Alors, yo canali, neko journaliste, pardon. Canali qui concerne la banalise ou la terre à terre. Alors, baso distraire population, peuple. Nako le kaka na ba yitando ike koloba. Oh non. Kagame nako sa le bon. Je vais faire ceci. Mais en coulisses, baso solo là. Mais quand cardinal Ambongo a l'obi vérité, il y a un sous-moi sali. Pourquoi dans ce pays les gens n'aiment pas la vérité? Ça blesse, mais ça rend libre.
Donc, le cardinal Ambongo a raison de ses propos parce que nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est l'ensemble des libertés politiques. Voilà. Socio-économiques et socio-culturelles. Ndeko José. Donc, le cardinal Ambongo Azana posa ya ko convoité ata eloko moko oyo Azana posa ya bambongo na bangote ya ba poste na bangote mais azotala souffrance ya population oyo azozanga na maya komela na tuni boye si il a raison ya pe mabete justice pe ko landaye pour prouver raison na ye ya ma bikende o cardinal to benga yo ona kisabiso que gouvernement congolais ou le régime ya Tshisekedi dit et banaki ko soutenir FDLR mabisa wapi na wuti koloba awa que en démocratie la démocratie c'est l'ensemble de libertés politiques économiques et socio-culturelles. La liberté politique c'est quoi? OK, c'est il faut donner le pouvoir à chaque individu de donner son point de vue sur la marche du pays mais sans qu'il soit inquiété par le pouvoir. C'est ça la liberté politique. Alors, le cardinal Ambongo est dans cet aspect des choses. Il a raison de donner son point de vue par rapport à la marche du pays. Tonton le Bona. Pays va très mal. Le okay. pays ne marche s'il vous plaît, pas. Je vous donne la parole. Il y a un problème. Alors, d'accord. Le cardinal Ambongo Azana. Bon, on va prendre la toute dernière question. Donc, si ton côté, M. Abisso et Reliki. Mais j'aimerais rappeler, peuple congolais, quelque chose. Vous savez que le chef d'État Fatih a anakati à France. Bon, Alibanambouka. Alibanambouka anakati à Kongote. Bon, il y a bien que le 30 avril dernier, Tomonaki Nabilili, chef de l'État Fatih, a kendaki qu'on revisité encore une fois de plus l'école de guerre. Il y a France, où il a eu à échanger avec le ministre Sébastien Lecornu, voilà, ministre des armées de France. Et cet échange, il a qui objectif pour renforcer la coopération militaire entre la RDC et la France. Je vous ramène encore plus loin. Vous rappelez-vous que la RDC avait un embargo d'armes. Auto souffrit pendant plusieurs années, embargo en abat que l'on et à chaque fois qu'il a des banques demande pour enlever l'embargo, il y avait des pays qui s'opposaient. Il y avait la France, il y avait les États-Unis, il y avait aussi l'Angleterre. La même France qui s'opposait que RDC est donc Tozaki incapable de consommer Babaminouki. Mais c'est tout fatigué en 2022 que l'embargo a été enlevé. On a produit l'embargo et nous en 2022. Le même 2022, la France que nous voyons est qu'il pour signer un accord commercial à 400 millions d'euros avec l'armée rwandaise en 2022. En 2023, la même France, et qui est en train de don, il y a 200 millions de dollars dans l'armée rwandaise en 2023. Mais le lot, dans mon chef d'État qui est en train de se pour revisiter, pour renforcer la coopération, la même France, Oyo a continué à combattre Bissot. Ça, c'est mon point de vue. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce. Il y aura rien de bon entre la coopération Nabissot en France. Bon, vous savez que le lot, Otokoloba, Awa, ville de Karuga, ils ont pris en otage Namea Munguna. C'est là où l'exploitation des plus de 50% il y a coltan au Mbo Congo produit. Mais ils ont beaucoup y a Rwanda. Peuple là continue de danser, à continuer de danser. Moi je suis pas d'accord du tout, je ne suis pas du tout d'accord avec cet accord là avec la France. Mais vive félicitations au nouveau gouverneur de la ville province de la province du Kasai Tshikapa, maître Crispin Mukendi wa Bukasa. Toi bien été voilà, maître Crispin Mukendi, mes vives félicitations, l'excellence le gouverneur élu de l'UDP Tshisekedi. La province et a commis troisième gouverneur, premier gouverneur, il y a Liboso Améko Salamouanambou, il y a Mibale, Dieu de Pima Abomaki, il avait tout détruit. Alors nous espérons le 5 ans de surnaturel avec Maître Gispo Mukendi wa Bukasa. Bon voilà, on prend les derniers points. Où est-ce que Ndeko José Ngoma, on l'a cité. S'il vous plaît, Ndeko, c'est moi qui ai la peau de débat. Donc on aura 2 minutes et puis au pessimisme afin de clôturer. Il est accusé de corruption active.
par Jean-Claude Katende, ou le coordinateur Assado, à Moni, à Tomonagi Nagombe, une grande maison en air. Et qu'on route à plus de 20 types, ou les agis, Batia Kounanini, de Okabouya, à l'Europe, ça va député provincial, pour l'élection, il y a un gouverneur, il y a un sénateur. Mais il y a des Okabouya lobby, et ils allaient juste motivation. Mais, politique, Assado, na bino ba opposant, beaucoup le ba été, ils allaient corruption, ils font des Okabouya à Samba, à s'exifier, d'où est-ce qu'il a eu ces véhicules. Qu'est-ce que vous direz par rapport à ça? C'est ça la souffrance du peuple. La souffrance du peuple réside là-bas. Pourquoi? Parce que c'est un régime teinté de la corruption à outrance. Ce régime ici de Chilombo. Partout, on est en train de corrompre les députés avec des types 4x4 TXL. Vous allez au Congo central, on a distribué des jeeps TXL. Vous venez ici à Kinshasa, vous avez vu les images, on a distribué les jeeps TXL. Partout, vous allez dans toutes les institutions de la République, les gens sont en train de distribuer, sont en train de monnayer les élections. Donc, le peuple est dans le désespoir total. Donc, c'est un régime de désespoir teinté de la corruption à outrance. Donc, le peuple ne veut plus supporter ce régime. Nous allons surveiller à partir du moment où nous avons commencé à surveiller. Maintenant, nous sommes derrière ce pouvoir pour surveiller tous ces mouvements. D'accord. Donc, Tokondi Madisusu et Lokwanate. Votre message et puis on. Donc, Tokondi Madisusu et Lokwanate. Donc, c'est un régime teinté de la corruption à outrance. D'accord. Votre message, mot de la fin. Et puis, Mon message de la fin, j'encourage le peuple congolais dans la souffrance. Bayo Kasikoyo, Tola Mouka ensemble, na président Martin Fayulu, Tota Lamboka Oyo, ça nous appartient. Parce que les dirigeants de ces pays nous disent autre chose la journée et ils font autre chose la nuit. Ils nous trompent. Nayango, Bisonioso, Tofungu la Miss. Total la Missouya, Mayele, Nenge Batoyo, Bazolinga Bakosa Bisou. Moutou, mon côté Andima. Neko Chilombo a changé constitution pour un intérêt personnel, un intérêt privé. Parce que peuple, pas si vous avez qui n'a pas ça l'élection, a su le côté. Dit le lot. Pour combattre 2018 na Yango, j'encourage tous les acteurs politiques, entre autres, Moutou Azalaka, gardien de la population, Neko Martin Fayoulou, à ça la ressource. Ma stratégie pour peuple abimana balabala à telle la munguna Toto Bona Chilombo. Merci. D'accord. Toto Bona, non, de Konkabouya a accusé la corruption active par rapport à Badi pour motiver les députés. Je vais rebondir par rapport à réponds et puis au petit message n'a eu de retirer l'émission. Il y a une proposition, mais na lundi c'était il faut la proposition, mais jusque là le bien le monde. Il y a une proposition. Le parti politique et l'Église catholique ils devraient accompagner les gouvernements à travers le ministre de la Culture par une création d'une plantation des champs de maïs pour être de la pour bien-être de la population. Dès qu'on a dit ce Kabouya, on fait un message. On fait un message. Message rapidement. Dès qu'on a dit ce Kabouya, un secrétaire général au Ayebi politique, Mbangu, Oazo Loba, Lokola, Dès qu'on a dit ce Ngo Maté, mais Oazo analyser politique d'une manière claire. Alobi Nini, Alobi bien boyé, bah dit pour un abapesi, bah député provincial. Et ça, les députés ont un représentant de la population.
bazo tambola na ba moto basala ba accident de gauche à droite. C'est une ezapena une motivation ba pesi ba député ba tambola na mito parce que baza ba représentant na biso. Mais soza ba représentant na biso baza bao bazo représenter la population congolaise. Bazo tambola na mito na ba moto, bazo tambola na ba vélo apesi bango parti pena émotif bango. Boye bisanga ilelo. Motivation oyo nani RDC tango ba joueur ba betaki na Côte d'Ivoire. Tango ba betaki tango ba pesi ba motivation. Boye bisanga za corruption. J'ai dit non. Eza corruption té. Mais ndeko na biso azolo bakaka biloko po le papa se pesa matin foyulu. Mais ngana za la radio liste té. Naza wana pona ko éclairer toujours les choses pour que ne toujours côté à population. Je l'ai toujours comme ça. Mais nazo loba na lomango ke les lomo konza mboka. Pesa message ne konata. Nazo pesa message. Boka ta pesa pardon, pesa ka message. Les lomo konza mboka na ba ministre ba o bazo tala ba TV na bazo tala ba TV na ba bureau na bango. Bango nyonso il faut ba ke na usala bilanga. Ndeko na biso. Kazadi vraiment ba memyo na bilanga na ba compagnie na ba conseiller na yi mais ndeko na biso na ngana lo ba pena après sa proposition na ma pesi proposition na été tango ba mokonza mboka simbi pao na yo tango mokonza mboka simbi pao na yo azo simbi pao na asali bilanga na ba conseiller na ba ministre bango tout ba ko sala bilanga et proposition na susu ko lo ba lisusu prison ya makala boko misango wenze ya selema o. Après ba maman nyonso wana bazana balabala po ba kufa te na ba accident na ba mituka minene bo koti bango na prison et puis wenze wana selemba ekozala munene ba zupena na ba ita wezo salama na ba balabala o eza pena na manzangungu ba Congo partout okay. Et ba sali pena prison mo ya munene ba koti si ba prisonnier le bapona mokesili merci le bapona mokesili bon ndeko jeze parti asuka tout placement woto maloboko ya mobali likolo. S'il vous plaît, on fait ça. Ah, ok, pas de problème. Alors, on a dit que José Ngoma, 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 on a dit que constitution va chercher pour intérêt personne à Bango. On a dit que le régime Oyo, il régime à Bango. Ndeko Nathan à vous. Ndeko bona na koloba na lombango vraiment que na onyonso na lobby na cosité mais na lobby juste kaka ke à la prochaine occasion memelanga bato baza ba dialoliste te memelanga bato baza na makam. Mais na prêter na prêter serment na ngai. Makam na lobby oyo na lobby pena ndeko na biso il faut ak ndeko tanga lisusu parce que atang ta bato susu makam malamu ndeko Nathan. Na lobby pena na prêter serment na ngai gouvernement oyo na fwachi beton bazaba miyibite bazaba miyibite ba miyibia liboso ba yibaki eza matin foyulu o yibaki ba voix akena ole a ba voter ndeko na biso azalaki a l'époque azalaki a postulé na gouvernement na comme gouverneur mais ba voter ka été mais miyibia liboso eza matin foyulu voilà. merci beaucoup matin de bandeko boali tellement ebele scotier na antenne ya RTVE boira tellement partout wa bolim sabiso mamoyari tellement ebele to bi peño sauter mais bon comprendre que lorsqu'il s'agit il y a gestion de la chose publique to moni de pet seke di bato ba ko kama biso to moni yes de o to bengi opposition numéro 1 na mboka na biso alors faut comprendre que il y a toujours à boire à manger ndeko kasa député kasa ministre de l'intérieur panthère noire et commis insécurité totale pour na bayimboka avant hier maman moko bobomiye na mwana ye innocent oko ba été en trois ici pour son abisso ba identifier batona ndenge yo sales pour recruter batu pour passer la panthère noire batu yo au fond ba hoté ndeko kasa di panthère noire devient une insécurité totale pour la nation na sukwana zama batabino tokutani.